C'est une journée inhabituelle qui s'annonce pour les populations des régions de Tombouctou et Tudani à travers ce pas. Il s'agit de la marche sportive et citoyenne instaurée par le département de la jeunesse et des sports sur l'ensemble du territoire national. Et les populations de Tombouctou et Tudani soufflent dans la même trompette pour accompagner l'initiative grâce aux autorités régionales pour consolider les acquis de paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble entre les communautés et soutenir les plus hautes autorités du pays dans leurs missions régaliennes. La région de Tombouctou et la région de Tudani ont embarqué dans le train de ces sports de masse aujourd'hui. Et nous pensons que nous allons continuer. Nous avons beaucoup apprécié, tout le monde a apprécié, parce que l'espoir, c'est un facteur de cohésion, de vivre ensemble avec toutes les communautés. Les Arabes, les Touaregs, les Sorayes, les Bambana, les Bozo, les Peul, tout le monde vit ici en parfaite harmonie. Vraiment, il faut que les gens qui vont rester unis derrière l'objectif de stabilité de notre pays. Il faut qu'on doit être derrière le président de la République, derrière notre gouvernement. Après avoir parcouru une distance de plus de 2 km, place à l'ordre du jour, des étirements et ateliers de foot, basket et volleyball. Appréciés par plus d'un, les participants à cette marche collective affichent leur soutien à l'initiative qui avait comme chef de file le gouverneur de région de Tombouctou et Tudani. J'étais très ravi d'avoir les deux gouverneurs côte à côte, les populations des deux régions côte à côte, partager ces moments. C'est aussi un plus, en tout cas pour toute la population en matière de santé, et aussi un plus en matière de cohésion sociale. On voit que tout le monde est jovial, le stress est derrière nous. C'est vraiment des initiatives à encourager et à renouveler. On puisse se retrouver dans la cohésion sociale, dans la paix, ensemble. Si on n'est pas chez soi, on est toujours malheureux. Donc c'est un cri de cœur que j'ai lancé à tout un chacun, les déplacer, vraiment de venir nous retrouver ensemble, main dans la main, pour le développement de notre région. Pour rappel, la marche collective et citoyenne est organisée sur l'ensemble du territoire national, chaque premier dimanche du mois. Doucement, sinon ça donne le vertige.